Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3. Est-ce que relancer le jeu a suffi à débugger le jeu? Ah, il peut bouger, mais il peut pas aller là. Alors que l'ordi lui a pu y aller. Bon, très bien. Bon bah je vais me mettre là et puis on va attendre, on va voir ce qui se passe. Peut-être qu'au prochain tour je pourrai bouger dans le sens que j'ai envie et pas dans le sens que l'ordi m'oblige. Ah, ça m'énerve, ça. Ce genre de truc m'énerve. Ok. Carlito, dégage. Il se barre comme une fiotte. Est-ce que je peux la gagner? Bon, ça, ça croustille. Ça, ça croustille. Ça, c'est pas un problème avec le chat, en théorie. Ma cave va enfoncer la sienne, mais il en a deux. C'est le problème. À X-Gord, ça peut faire mal. Hein. Chambre guerrier du chaos de Khorne à Hallebarde. Voilà. Donc sa cavalerie, elle est gérée. Quoique ça, peut-être pas. Hein. Et lui, il est niveau 25. Est-ce que Kolek peut tuer Carlito? Oui. Hein. Évidemment que oui. Oui, mais ça... Niveau des talismans, on a quoi? Rien. Alors on en a peut-être en faisant ça. Tu peux les ranger par rareté, s'il te plaît, merci. Quand même beaucoup mieux. Ah, on a rechopé une armure du destin, très bien. Lame géante, donc c'est Village, tu vas la lâcher, s'il te plaît, ton épée. Oui, oui, oui. Oh, chier. Il est où, Village? Prends ça. Tu vas prendre une armure du destin, ça ira très bien. Ouais. Objet enchanté. Totem maudit. Commandement moins 4 sur les ennemis. Le livre, capacité, réserve. Ah oui, non mais prends ça. C'est mieux. Ouais, faire moins 4 sur les ennemis avec ton objet enchanté de ses morts. C'est quand j'ai... Okay. Alors, est-ce que je peux tuer Carlito? Alors par contre, si on fait ça... Victoire à la Pyrrhus, nous dit-on, et on perdrait des gens. Alors, on va faire une petite sauvegarde rapide quand même. Ça a quoi comme vitesse? Ouais, 42, 54, 70, 78. Ah, il est si long que ça. Joueur d'épée, ça peut faire un peu. Ça peut être un peu embêtant. Mais ça, normalement, c'est même pas un problème. Ça, c'est un non-problème. Les arbalétriers et les bretteurs, c'est un non-problème. Le problème, ça va être ça. Qui est le seul mortier à ne pas avoir de tirami, je tiens quand même à le redire. Une attaque éclair, oui, on prend beaucoup plus cher parce qu'on a de la vigueur en moins. En vrai, Carlito, ça devrait le faire.
Faut juste que je fasse gaffe à Kolek, qu'il aille pas se mettre dans les albardiers. Ce qui pourrait lui faire mal. C'est à albarde ou à lance? J'ai pas regardé. Escorteur à lance-grenade, ça peut être chiant. Les enfants, ils vont aller chercher... Alors, commencer le déploiement. Les... Ils sont où? Ils ont pas de halbarde. Très bien. Alors... Il va pas venir normalement. Hein. Normalement, il vient pas. Alors, il tire jusqu'où? Ouais, jusque là. Tous les monstres. All monsters. Alors. Chaos sorcerer. Toi, t'es un sorcier, t'as le buveur d'esprit. Kolek, il gagne contre... Ah oui, il gagne. Carlito a moins de vie, plus de commandement, plus de vitesse, moins d'attaque en mêlée, moins de défense en mêlée, moins de puissance des armes, mais plus de bonus de charge parce qu'il est sur son piou-piou. Ah, c'est peut-être pas... Ouais, mais non, est-ce qu'il va pas venir? Théorie, il vient pas, mais... Chaos Knights! Slay every mortal. Il se réoriente, très bien. Donc, nous, ce qu'on peut faire, de toute façon, c'est... Ça. Running. Chaos Knights. Ready. What? Move fast. Chaos Knights. Move fast. Hello. Oups. Je me suis trompé de touche. Allez, on se bouge le cul maintenant. Et pas moi, je n'ai rien fait, c'est promis. Boule de feu. J'ai perdu le contrôle de... Oh, 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 oh. Bonjour. Ça va? Ça va bien la vie? Allez, c'est parti. Allez les chercher. Mon seigneur du chaos. Oh, il a ça. Bah écoute. Mes chevaliers, ils sont où? Je ne sais pas. Ah, ils sont en train de s'occuper de ça. Alors, j'aimerais bien que ça passe un peu, là. Allez. Ok, mes chars. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oui!
Running! For the Blood God! Il est où, Carlito? Il est là. Bah, le sort est pas lancé? Merci. Ok. Viens les chercher. Ok. Les demi-griffes, c'est réglé. Les chariots, je sais pas où ils sont là. Mes cavaliers, ils font quoi? Ils s'amusent avec la Rexguard maintenant. Très bien. Pendant qu'ils s'amusent avec la Rexguard n'est pas en train de s'amuser avec moi. Allez, on y va. Allez. Voilà. Très bien. Ok, les trolls, ça revient. Collègue qui fait mumuse. Si tu pouvais aller faire mumuse avec Carlito, ça m'arrangerait un petit peu. Il a une boule de feu, le Carlito. C'est pas très très sympa. Ok. Viens là. Ok, la cavalerie du chaos qui arrive dans le dos. C'était exactement ce qui était prévu depuis le début. Ne vous y trompez pas. Revenez-vous. Ok, ça c'est à gérer. Eux ils font quoi? Ah, rien. Ok, ça fuit. Ma cavalerie du chaos elle est où? Je la vois pas dans mon roadster, merci. Oh, ils vont venir m'embêter. Ok. Au revoir. Ok, Karl, c'est géré. Ok. Allez, ça dégage. Et comme il s'est replié, son armée est morte dans tous les cas. Voilà. Allez. Faut que j'envoie collègue. Ok, c'est pas un souci, j'arrive. Il en peut plus, collègue, hein, il est crevé là. Ah non, il est frais. Bonjour! Laissez-moi passer! Sigma préserve us. Allez, ça dégage. Allez, on y va. Il est là. Il est tout seul. Tuez-le. Ah non, ils sont encore 10. Allez, rendez-vous les gars. Allez, faites mumuse. Si vous voulez faire mumuse, faites mumuse. Ah, le pauvre Carlito! Voilà, allez hop. Et comme tu as fui, et bah ton normal est détruite. Allez, ça rentre à la maison. Allez, ça dégage. De l'argent. Allez hop, ça dégage. Et elle fait quoi, ma peste? Maximum de guérison, corruption de Nurgle, ok.
gain d'expérience. Ah oui, quand tu tues... Il est tout nul le bonus de... Ça gagne jamais ça. Bah on va pousser hein. Allez on y va. On perd pas de troupes, non. 76 morts, très bien. On va le raser. Voilà. Allez. Ça gagne de l'XP. On va peut-être rentrer à la maison. Ah, il a pris cher là un petit peu le Carlito. Hein. Ok. Il est à... Alors, niveau des accords rapides. Ah, les Sarls sont presque à me donner de l'argent. Je suis content. Ah, et les trompeurs. Ah, je me trompe toujours. Donne-moi de l'argent. Il sert à rien ce mec là. Il joue pas au même jeu. Hop, j'ai oublié de demander de l'argent. Merde, c'est pas grave. Personne ne veut devenir mon vassal, bande de nards. Alors, bon, on a 11 000 balles. Bah, le fort d'Erin va pouvoir l'améliorer en vrai, hein, maintenant. On va peut-être... Ça met 3 tours. En vrai, j'ai peut-être pas amélioré ça. Par contre, ça, plus d'argent. 1400 balles. Vas-y. Ça fait quoi? Héros exalté, oui. L'amélioration des bancs. Ouais. On va faire ça plutôt. Ok. Toi, t'as bougé. Oui. Ouais, je pense qu'on a tout fait parce que forcément. On en a un qui peut rien faire. Chemin de la gloire. Ah, là il y a des niveaux. C'est vrai, ils viennent de tabasser Carlito. Ah, je l'ai quand même mis. D'accord. Petit bonus de charge. Ouais. Y a pas beaucoup de bonus de charge, hein, mais c'est pas très grave. L'important, c'est qu'il casse des culs. Voilà. Alors, 3 niveaux pour lui. Un buveur d'esprit, un vol de vie. Dévoreur d'âme ou Fatalitas, hein. Contre l'Empire. Ils ont pas forcément beaucoup d'armure. Hein. Par contre, le commandement. hop. Petite charge. Ah bah il a un cheval lui maintenant. Il va pouvoir accompagner les cavaliers du chaos. Très bien. Chemin vers la gloire disponible. C'est pour qui? C'est pour toi? Non, c'est pas pour toi. Pendule du destin. Ah oui, c'est ça. Il a eu ça. Remporter une bataille contre une race de démons. Prends la neige, ok. Give me lightning. Perdez une bataille et survivez. Oh, ils ont des trucs. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que lui, je dois faire les quêtes de Archaon. Poste avancé disponible chez le clan Eshin. En vrai, est-ce que c'est pas le bon plan? Petit maraudeur ici. Est-ce que ça peut pas être le bon plan Parce qu'ils ont de la, artillerie pas mal, hein, le clan Eshin, et du tireur. Hein. Enfin, les Skaven. Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais.
Attends. Il a mis un terme au pacte de non-agression, mais on est alliés, c'est ça? Non, on n'est pas alliés avec Malphos. Pas très grave, ça. On lui cassera la bouche, au pire. L'effroi béni, enfin. Taille de Laurent de commandement. Achult. Ah ah, d'accord. Les nains du chaos qui vont être la fin, la finalité de cette campagne en théorie. Change ! Midnight est à moi ! Oh, merci. Oui. Une nouvelle forteresse noire est tombée. C'est à moi! Y'a personne d'autre! À moi! On est pas loin d'Aldorf, hein? Et pouvoir aller poser notre cul là-bas. Ouais, l'Auckland qui essaye de faire quelque chose de sa vie, de montrer qu'il existe. Azazel, Prince of Damnation. On voit pas Jacqueline, hein? Lover. Elle est... Oui, pense ça. I am enlivened this way. Elle a l'air d'avoir personne, hein. Find me, pray. On va juste piller un peu et on va aller raser Forostrock. Voilà. Ok, c'est un peu le bordel là-dedans. Combien de colonies il lui reste? Allez, 19 quand même. Vlad est là. T'es en guerre contre Vlad? Et t'es en guerre contre beaucoup de gens, hein. C'est ça de s'attaquer à moi. Hein. C'est qu'on rentre en guerre contre beaucoup de gens. Ok, alors, les accords rapides. Ah, il est encore là, Bellacor? Yes, Bellacor est encore là. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, les Sarles. En plus, c'est mon vassal. Voilà. Donne-moi de l'argent. Merci. Est-ce que je fais une alliance avec avec Wulfric? Si je fais une alliance avec Wulfric, je suis inarrêtable. Fool. Let's fight. The masters have surely fated this meeting. What brings you here, counterpart? Yes. Vas-y. Vous avez déjà vu le chaos inarrêtable? Bah le voilà. D'abord. En plus, il est en guerre contre Carlito. I'd usually negotiate with my Évidemment que oui. But today you are luck. You're well? T'es vassal de... Ok. Alors, juste un truc que je veux voir, c'est Bellacor ou Né. Il a deux villes. Il est en guerre contre Couronne. Elle est où ta deuxième ville, petit con? Elle est où sa deuxième ville? Parce qu'il y a celle-là, je la vois. Sa forteresse noire. Elle serait au niveau de Couronne. Parce que là, il y a une seule ville. Et elle est là. Non, mais de toute façon, Bellacor, il faut aller le chercher. Et en plus, on n'est pas loin d'y aller. Donc, hop, direction chez Bellacor. La ville a pas l'air d'être assaillie. Elle est level 3. Bellacor est dedans. Of course.
Et t'as deux villes. Mais je vois pas où elle est la deuxième. Ça compte pas les villes des vassaux en théorie. Ah, c'est moi le plus fort du jeu. Il faudrait que je regarde. Moi j'ai combien de cités? Armée 5, héros exalté, 3 sur 6, sorcier du chaos, ok. J'ai 13 colonies. Oui, donc ça compte pas les colonies des vassaux. Ok. Seigneur non déplacé, qui? Ah oui. Est-ce que tu peux te redéplacer normalement? Y a l'air. Attends. Il a fait ça et ça alors qu'on n'a pas le droit? D'accord. Non mais c'est d'accord. Je note que c'est de la merde. Pardon. Excusez-moi. My will does not bend. Ok. C'est ça que je veux noter. Que c'est de la merde. Ok. Le petit Lokir, il a pris ça. Ok. Oh, ils ont une armée là. Ouais, mais il peut pas prendre Shangyang. Ah, quoique. Oh, il y a Miao Ying juste à côté. Alors. Ouais, je rapporte combien de en militaire là? 9 de présence militaire. 13 de présence militaire avec les persos. Ce qui est bien, c'est que comme ça va être eux, ils vont peut-être pourrir. Ouais, quoi que. C'est bien et en même temps. Ouais. Combien de tours, toi? Un tour? Oh, c'est bon. Tu vas popper là et tu vas venir m'aider parce que là il va falloir les tuer. Il reste quoi en un du chaos? Ouf. Attends. Mais d'accord. Ah oui, il est presque à Zarnagrund. D'accord. Et pour le coup là les nains ils sont vraiment fait défoncer les nains du chaos. Kalédor est encore là, ok. Les zombies sont encore là, vite fait. Ouais. Le monde est pas très très stable. Hein. Bon. Amélioration de bâtiment, non. Chemin vers la gloire, non. On va voir pour Bellacor. Où est sa deuxième ville? Et si on peut aller chercher confédérer Bellacor, c'est pas mal aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non. Tu te débrouilles. Alors, les marchemondes, très bien. Coût de construction, moins 3%, très bien. À passer plusieurs en mer. Très bien. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est au sol comme en mer. La forteresse la plus puissante. Ok. J'ai la forteresse la plus puissante. Toujours deux. Oh, je vois pas où elle est. Bonjour. Oui, parce que ça, c'est à couronne, ça. Ça, c'est sûr. Oui, voilà. Il y a du couronne, ici. Là, on voit toute l'île, donc on sait qu'elle n'est pas sur l'île. Ça, c'est couronne. Peut-être la côte... Non, il n'a pas été jusqu'à la côte de Lyonnaise, mais couronne l'aurait déjà repris.
Alors... Alors, on peut écraser ça. Hein. On peut aller chercher ça, ou alors... Il y a combien de villes, lui? Deux. Je peux aller chercher ça, hein. Je peux aller détruire ça. Hein. Oui, je te déclare la guerre. Il est allé à qui? Oh, l'ordre doré. Qui vient pas? Never. Tout le monde vient. En avant. Bonjour. Oh. Une bataille de colonies, ça. Mise à sac. Allez. Autorité. Oh yes. Et on est d'accord que là, si je la réattaque, je peux rien faire avec. Hein. C'est ou occuper ou ne rien faire, je crois. Et il y a Boris qui peut pas venir me chercher. Bon, je vais me mettre en marche forcée. Et je vais rentrer près de Middenheim. Bonjour. Rentrez à la maison. Oh, tellement de reconstitution. Alors. Incarnate. Star Crusher. On va tous les prendre de toute façon. Tu vas prendre ça. Alors, taper plus fort, ça me paraît bien. Hein. Taux de reconstitution des victimes. Non, taper plus fort. ça reste un mec du chaos. Pourquoi il devrait faire autre chose que taper les gens? The Empire. L'Empire est tellement dans la merde. Damnation. Il y a l'armée de Katarina qui est là. Forostrock, je peux venir le raser. Katarina, elle va jusqu'où? Il pourra pas venir me chercher. Hein. Victoire de justesse. Ouais. Time to end this. Raser. Boum. Voilà. Et de toute façon, même si elle peut... Non, elle peut pas m'attraper. Ah bah oui, elle peut plus recruter, bah oui. Oui, elle peut pas m'attraper. De toute façon, même si elle avait pu m'attraper, j'aurais pu fuir. Et elle n'aurait pas été en mesure de me rattraper. Oui, le baiser du serpent. Ça, quand il est pris au corps à corps. For Mother Kisle. It cements my power. Ok. Ok, 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 ok. Oui, j'ai ma forteresse à moi qui est passée niveau 5. Parce que j'ai la forteresse la plus puissante. Elle va très très loin quand elle fait pipi. Plus de chevaliers du chaos. On peut aller chercher les déchus et les enfants. Oh, les petits monstres là. Oh, les petits dragons. Ça ferait un bâtiment. Peut-être deux si je m'essuie là avec. Il me reste un emplacement de disponible. Mais ça, c'est que des alliés et des vassals. Donc, c'est pas pour moi. Bon, déjà. Voilà, déjà, ça. Guerrier du chaos, hein. Ou ça. Il n'y a pas de guerrier du chaos ici. Hein. Non, je vais faire des guerriers du chaos ici. Voilà. Et ça, ça a coûté... Ah oui, 10 000 balles. Et ça, 10 000 balles. Ah, ouais, je préfère. Vu que la fin du temps, la fin du monde est proche. Ouais, elle se barre évidemment. Allez hop. Mise à sac. C'est quoi ça? Oui, c'est des armées de merde. On est d'accord que là c'est occupé ou rien. Ouais, ne rien faire.
qu'on peut pas raser. Bonjour. Évidemment. Tcha-tcha-da-di-dou. Ah oui. Est-ce que ça marche, ça, bonne question, est-ce que ça marche pour les créatures invoquées avec la porte de l'outre-monde? Non mais ça déjà, oui, ça sera pris, ça c'est sûr. Ouais, pourquoi pas, hein. Ah oui, mais ça tire aussi cette saloperie. Ça, il faut le savoir. Ajoute une explosion aux flammes bleues. Donc on a pris du métal, la lumière, slanesh. Ah non, la meuf. Il n'y a pas l'épée. Ajoute. Ah ouais, vas-y, on prend tout. C'est tellement drôle. Oh oui, petite comète là. Il faudra que je vous le montre. Ah mais on aurait dû faire la bataille, c'est vrai. Ils sont très très drôles. Moi je les aime beaucoup. Wow. Si tu veux. On peut faire un nouveau don de Slanesh. Des démonettes. Allez, c'est parti. Bonjour. Et là on peut prendre quoi? Petit taux de recherche là. C'est pas mal ça. Ah, il faut des âmes de... pour l'autre débile. Point de vie de la barrière, plus 25%. Mais pour les élus aussi. Hein, pour les aspirants champignons. Allez hop. Nous serons tout puissants. Ok. Azazel, il a joué. On a fait les bâtiments ici, hein, on est d'accord. C'est laquelle? C'est celle-là. Oui, j'ai tout fait. Alors, c'est celle-là qu'il faut renforcer, par contre. Celle-là, elle va être en première ligne. Et au niveau du seigneur... Ah, nous pouvons recruter Festus. Festus, the Leech Lord. Alors, comment il l'avait monté? Comme de la merde. Enfin, comme il a pu, surtout. Ah, ça, c'est chiant. Blessé, capturé post-bataille, coup d'infection... Alors ça me sert à rien parce que j'ai pas sa mécanique. Ordre du médecin, oui. Coup des vents de magie, oui, ça c'est pas mal. Gaïa du chaos, démon du chaos, homme bête et Norska. Reconstitution, plus 5% provoque la peur, oui. Point de vie, plus 25%, bonjour. Oui, non, mais il faut que je prenne son arbre spécial, ok. Ouais, je vais prendre son arbre spécial. Non, parce qu'il y a les nains du chaos qui vont se réveiller. Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose, cette armée? Est-ce qu'elle a jamais servi à quelque chose? On va juste avoir des rébellions à la chaîne. Mais elle me prend quand même 1500 balles. Donc pour le moment, je vais la garder. On va attendre parce qu'il y a quand même les nains du chaos qui vont arriver. Village. Mon petit village. Du coup, des changements des us, ça je l'ai pas. Mais
Non, ça c'est des trucs de... C'est des sorts qu'il a, oui. Ça je peux lui prendre. Changement des us, je l'ai pas. C'est le truc spécial de... Bloodthirsty! Despoilers! God make... I crave! Ok. C'est parti. Parce que les changements des us, c'est le truc vraiment spécial à Zench. Ok, ça attaque la cour de givre. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, Highland est vraiment, ça, y a vraiment plus rien. Mais je veux pas aller chercher Aldorf tout de suite. Parce que nous, on va poser notre cul en tant que qu'Arcaon. Mais il faut qu'on ait rassemblé tout le monde avant. Quoi ? Non. Attention qu'il y a des... On a vu des nains du chaos, là. Hein. Côté de chez nous. Pour Vachnar. Donnons des améliorations à Vachnar, je ne sais pas qui c'est. C'est lui. Très bien. C'est lui. Chemin de la gloire, ok. C'est un magicien, d'accord. C'était le magicien, d'accord, 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 d'accord. Non, mais moi, vous savez, hein, les noms. Elle va se barrer de toute façon. Donc, on va juste retourner là. Je vous montre, allez. On se la fait pour qu'on voit les scribes bleus. Voilà, on va se la faire. Bon. Je crois que Arcaon tout seul gagne. Il me semble que si j'envoie Arcaon tout seul contre ce truc-là, Arcaon se l'est fait. Mais il n'a pas Harald. Et tiens, j'ai pas débloqué Harald. Il faudrait que je trouve comment débloquer Harald. Mais il faut que j'aille chercher les objets de Arcaon, mais pour ça, il lui faut des guerriers du chaos, parce que ça, c'est pas suffisant. Il va falloir les changer en guerriers du chaos. Et les Tsangor, il va peut-être falloir les changer. Les remplacer par des choses un peu plus... punchy quoi. Commençons le déploiement. Allez. C'est pour vous montrer hein, les scribes bleus, regardez. Ils sont très très drôles. Voilà. Regardez comme ils sont dégueulasses. Et donc là, ils ont des sorts, ils ont la foudre, la scie et tout. Et quand je vais lancer un sort, ça va changer, vous allez voir. Ça va être très drôle. Chaos Marauder. Chaos Marauders. Alors ça, vous les accompagnez avec ah comment ils s'appellent les mecs sur disque de Zench là. Je sais plus comment ils s'appellent. Les chevaliers de la ruine, un truc comme ça. Vous mettez ça avec, intuable, intombable. Bon, ça va être Arcaon qui va y aller. Hein. Hop, ça là. Hop, derrière. Ouais, comme ça. Toi, tu vas même regarder par là. Regarde. Hop. Oui. Non, j'ai dit oui. Va jouer. Va jouer, Arcaon. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a? Petit feu, là? Petit feu comme ça. Oui! Et puis les sorts ont changé, c'est trop fort. Moi, j'adore. Tempête de feu de Zench! Zench! Toujours plus de Zenchisation! Oui! Oh! Oui! J'adore ce... Le principe est tellement génial. Allez. Allez, vous y allez. Hein. Allez, allez aider. Là. C'est trop long. Allez, on y va. Oh! Bonjour. Coucou! Mais
C'est très très drôle, hein. On ne peut pas perdre, hein, de toute façon, vous le savez. Je fais ce qu'on appelle de la stratégie, s'il vous plaît. Petite foudre là. Bonjour. Ah, des chevaliers de cornes dans des archers de base paysans de KT. Ah oui, ça va croustiller, oui. En effet. Bonjour. Night of Corn! Pardon, excusez-moi. Oui, Corn! Oui! Pardon, excusez-moi. Donc, vous avez compris le principe des scripts bleus. On n'a même pas une mort. Voilà. Le principe des scripts bleus, ils ont fait 106 morts. Ils sont plutôt forts. Hein. Non, ils sont très très forts. Le seul truc qui est chiant, c'est ce que je vous disais. Si vous avez tous les domaines de magie de disponibles, et ben en fait, comme ça cycle, vous, des fois vous allez vous retrouver avec que des sorts qui vous servent à rien. Donc vous devez en claquer un comme ça. Vous le jetez, entre guillemets, pour relancer un cycle. Mais c'est marrant. C'est marrant à jouer. Si on aime ça, évidemment. Moi je trouve ça très très drôle. Oui, je vais la raser. T'es pas censé te barrer très très loin quand tu rases une ville? Quel jeu de merde. Il bug tout le temps ce jeu, c'est fou. Ah oui, après par contre voilà. Chaque fois que vous prenez un domaine de magie, ça coûte moins cher pour eux de le lancer. Donc à la fin, quand vous avez tout, vous avez des sorts, ils coûtent 1. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 x 4, on est à 60% de vente magie en moins pour les sorts. Chaque tour, l'armée aura accès à un sort de cataclysme aléatoire. Bonjour. Donc 60% en moins. Donc si on va chercher ça, par exemple, bah il coûte 2. Moins 30 d'armure pour 2. Ça coûtera 3. Il y a que, il me semble que s'il y a que Balthazar qui peut avoir la main de plomb à 1. Qui est complètement abusé, évidemment. Seigneur en garnison, oui, toi tu n'as rien fait, évidemment. Arcaon t'a fait Mumuse. Festus. Festus, tu continues à te renforcer, s'il te plaît. Fight. Il fait. Parce que tu vas peut-être avoir des problèmes. Festus. Ensuite, Azazel. Katarina, elle est là. Azazel, tu vas rentrer à la maison. Pour le moment. Hop. On va laisser Trott gérer Katarina. Kolek. Mon petit Kolek. Lui, il est venu. Ah, ça croustille, ça. Tempest incarnate. Ça va croustiller, ça. Mais il va se barrer. Weissmund, de toute façon, il va aller la rechercher. On va aller là. En auto, évidemment. Tu me la rases, s'il te plaît. Et là, regardez où est-ce qu'il s'est barré, quoi. Sérieux. Et Arcaon? Non. Saloperie de jeu. Jeu qui fonctionne quand il en vit. T'as toujours deux villes, toi. Son armée, c'est quoi? How opportune. Agreed. Village the Curseling. Attends, j'arrive. Je voudrais voir ce que t'as dans ton armée. Good. Ouais, ça peut être chiant, là. Ça peut être chiant de taper ça. Je voudrais me régénérer, par contre.
En bande, j'ai quoi? Oh, on pourrait avoir un troll. Il n'est pas prêt. Il n'est pas là. Il est resté à sa maison. Ok. Après village, on a quoi? Vachonard, qui est là. On dépouille les gens. Ça va bientôt se réveiller. Et ça, c'est une faction majeure, donc ils auront 6 armées. Et les factions mineures, c'est 3. C'est ça, hein, je crois. Je crois que c'est 6 et 3. Ou 4 et 3. C'est une forteresse noire, ça. Bien. Bon, nous, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.